Donc c'est parti les amis, là on a 4h20 de route à peu près. On va tracer jusqu'à la maison. Je pense que je vous la montrerai demain parce que on va arriver vers 18h. Donc il fera nuit, on va pas très bien vous montrer. Mais bon, mis à part la couleur de la voiture, c'est vraiment une bonne base. Vous allez voir que c'est carré comme il faut. C'est exactement ce que je voulais. Pas de paquet, mais rien mon gars. Bon les amis, on est à 1h de la maison. Là Justin il va prendre le relais, comme ça je vais me poser à côté. Les amis, soyez indulgents sur la voiture. Monsieur, si vous regardez la vidéo, désolé, je vous avoue, je suis pas fan de votre noir mat. Mais bon, regardez. Il est dégueulasse. Donc voilà les amis, donc elle est noir mat. Donc bon, c'est pas mon délire, mais je vous expliquerai mieux demain. La voiture, j'ai vraiment envie de faire vraiment un truc de A à Z, comme je vous ai dit. C'est pour ça que c'est vraiment une bonne base. Vu qu'il n'y a pas de paquet, mais il n'y a rien. Je vais pas vous mentir, je suis grave content de ravoir une E36. Ça m'avait manqué en vrai. Bon, les amis, alors on se retrouve quelques jours plus tard. Donc je vais vous faire la présentation de la E36. Je voulais vous filmer ça tranquille dehors, un petit endroit stylé et tout. Et là, commencé à pleuvoir, mais d'une force. Du coup, j'ai trouvé ce petit endroit. Au moins, on est tranquille. C'est sûr qu'il n'y aura personne là qui risque de passer. Franchement, si quelqu'un passe sur cette route là et que je dois me déplacer, c'est vraiment que j'ai une malchance totale parce que je pense que personne ne passe ici. Voilà, à part un petit train qui risque de passer. Normalement, on est tranquille. Vous avez tous deviné, c'est une E36. 318 IS, c'est vraiment une très bonne base pour ce que je veux faire. Pour commencer, j'aurai pas besoin de swapper tout de suite pour m'amuser et vous faire quelques petites vidéos. Le seul gros défaut de la voiture, c'est sa couleur et ses feux avant. L'ancien propriétaire, il l'a peint du coup en noir mat. Avant, elle était grise. J'ai le seum, mais d'une force, les amis, parce que je voulais absolument reprendre une grise. Comme ma première E36, tu vois. Avant de repeindre la voiture, ce qu'il a refait, c'est qu'il a refait toutes les bosses. Là, je sais pas si vous verrez extrêmement bien, vu que forcément, elle est mouillée. Mais si je vous rapproche, vous verrez qu'il n'y a vraiment aucune bosse. Et point très, très important, c'est qu'il y a zéro rouille. La voiture, j'étais choqué aussi. Et comme vous avez pu voir, elle n'est pas surcombinée, elle est sur ressort d'origine. Parce que putain, elle est tellement haute, elle est plus confortable que ma série 5, pour vous dire. Pour la face à l'avant, il y a juste ces feux-là que je... Bah, moi, je suis pas fan du tout, tu vois. Mais c'est pas grave, on va retrouver des petits phares d'origine. On va remettre ça tranquillement. Il y a les clignotants en blanc, anti-brouillard. Comme vous pouvez voir, pas de paquet. Il y a déjà la calandre en noir, donc ça, c'est cool, pas besoin de le faire. Et à l'arrière, on a juste un diffuseur qui a été rajouté. Ce que je voulais, c'était trouver une quasi d'origine et sans paquet, parce que... J'aime bien rajouter les choses moi-même parce que t'as vraiment l'impression que tu vois la voiture, tu vois l'évolution et tout. Et quand il y a déjà un paquet et tout, au niveau esthétique, t'as plus grand chose à faire, on va dire, à part rabaisser et mettre des jantes. À l'arrière, on a les feux type M3. Ça va, ils sont grave stylés. Un petit béquet, pas très fan, mais vu que je compte mettre un autre béquet, ben au moins ça sera déjà percé. Au niveau de la ligne, on est sur une ligne toute d'origine complète. Comme vous pouvez voir, il y a ce jeune petit truc dans le pare-choc. Alors ça, c'est un des points négatifs de la voiture, je dirais. Pour certaines personnes, ça serait un point positif. Je trouve ça plus négatif qu'autre chose parce que ça va me casser les couilles de tout enlever. Moi, si j'arrive à le dévisser, il y a ça. Donc pour ceux qui connaissent, c'est le remplissage pour le GPL. Dans une prochaine vidéo, voilà, quand je vous ai dit que je pensais qu'on allait être tranquille, et au final, on n'est pas tranquille. Franchement, quelle était la chance pour qu'il y ait même deux voitures qui soient ici. Oui, je crois que je vous parlais du coup du GPL. Je vais tout dégager. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer le coffre. Donc comme je vous ai dit, la voiture, elle est à moitié vidée. Donc bon, il y a mes petites baskets. Donc voilà, vous voyez le coffre à moitié vidé. Il reste plus grand chose. L'ancien proprio, il avait fait ça. Donc pour vous montrer, je vais avoir du boulot parce que le GPL, ben, le réservoir, comme vous avez pu voir, vu que le truc, il est là, le réservoir, il est là en dessous. Donc moi, je vais enlever parce que ça fait un bon 20 kg, il m'a dit l'ancien propriétaire. Donc voilà, je pense que ça va être une belle merde à enlever. Le seul point positif, je crois, le GPL, il est pris par l'admission et non pas par l'injection. Donc du coup, il n'y a pas d'injecteur, des trucs bizarres à faire, tu vois. De toute façon, je filmerai quand j'enlève toute cette merde et j'espère juste que ça va pas foutre un bordel dans la voiture. Vu que je compte rajouter un paquet, rajouter un petit kit large, tout ça, plein de petits trucs. Et une fois que toute la voiture aura tous les éléments que je veux lui rajouter, à ce moment-là, je lui ferai une peinture. Et ce qui est cool, c'est que bah, du coup, vu qu'elle est noire mat, bah, je pourrais mettre la couleur que je veux. Donc voilà, au niveau de l'intérieur, les amis, elle est quasi vidée, pas vidée à 100%, mais quasiment.
Son propriétaire, il m'avait dit qu'il s'était défoncé, donc du coup, lui, il a mis ça. Je trouve que c'est encore assez propre. Moi, je pense que je changerai, je mettrai autre chose. On a les sièges port de E36, donc voilà, c'est plutôt cool. En attendant de changer, mettre des petits baquets par la suite. Je pense que vous l'avez compris, je vais faire un projet comme avec la E30, donc ça va être forcément un projet drift. Mais là, je vais aller plus loin qu'avec la E30, je pense. Enfin, au niveau de l'intérieur surtout, parce que la E30, j'ai pas envie de la vider à 100% et tout. Mais ça, là, je pense qu'on va faire vraiment un truc très sale. Et vu que la voiture est déjà à moitié vidée, on va continuer dans cette lancée-là et je pense qu'on va aller encore plus loin. Il y a quand même encore une petite banquette derrière. Donc voilà, après, pas de ciel de toit. La console centrale, il n'y en a plus. Ça, je sais pas. Peut-être j'en rajouterai une quand même. Juste une console centrale à voir, je sais pas. Le seul truc qui, moi, me dérange à fond, c'est qu'il n'y a pas d'autoradio. D'ailleurs, merci à Raph, il m'en a donné un hier. Il est là derrière, je sais pas si on le voit. Voilà. Ça va, l'ancien propriétaire, il a fait quand même ça assez propre, je trouve. Vous voyez, les vitres, elles sont là. Ce qui est cool, c'est que vraiment, tout marche. Wow, comment je m'attendais pas à ça, je me suis chié dessus. Wow. 8 degrés, les 9h07, il y a tout qui marche, l'heure et la date est à jour, c'est vraiment incroyable. Et ensuite sur Instagram, vous avez été nombreux à me dire putain, la 125 000 km, elle est neuve. Là, je pense que vous voyez beaucoup mieux que sur Instagram et vous voyez que le compteur, en fait, il est en miles, donc c'est un compteur US. La voiture est française, c'est juste l'ancien compteur buggé, donc du coup, il a mis celui-là. Ce compteur, il est grave stylé, donc ce qui est marrant, c'est que vous n'avez pas, comme sur les compteurs européens, on va dire, vous avez la conso et tout, ici, vous avez rien, en fait. Ce qui me choque sur les IS, c'est vraiment la consommation. Parce que regardez, je suis quasi au milieu, j'ai fait 266 miles. Ça correspond à peu près à 430 km et je suis à la moitié du plein. Là, on a les petites pédales M, mon vieux. Donc bon, moi, je suis pas trop fan, je vais les enlever. S'il y en a un de vous qui les veut, je lui donne, je lui envoie carrément. Il n'y a plus grand chose à dire. Il y a le petit store là-bas derrière, mon vieux, pour le soleil. C'est la première fois que j'ai ça dans une E36. Franchement, j'ai très hâte de commencer cette voiture. Ça sera pas pour tout de suite les premières modifications, les amis. Mais ça viendra petit à petit au fur et à mesure de l'année. Et franchement, ça va être cool. Le petit IS est là. Il se porte plutôt bien pour le moment. Donc, je suis assez content. Et vous voyez, c'est ça, tout le système GPL. Vous voyez, il y a ce boîtier-là. Il y a toute cette merde-là ici que je vais devoir enlever. Il y a le boîtier qui est là-bas aussi. Donc, franchement, c'est une belle petite merde. Mais bon, au moins, on va faire ça tranquille la semaine prochaine. Le petit logo, putain, il est neuf, je vais le prendre, je vais le mettre sur ma E30 direct. Donc, je vais vous faire écouter encore vite fait le bruit. Ensuite, après ça, là, on va direction chez Raph, au garage. Et là aussi, une IS, vous verrez, bon, elle est beaucoup plus jolie que la mienne. Hein. Et on va lui installer un kit Felloni. Donc... parti, on va au garage chez Raph, je vais rentrer dans la voiture avant que le train me fasse rub de nouveau ce fils de... Vous voyez, si jamais vous avez de la rouille, le plus simple à faire pour la traiter, il faut couper. Simple, efficace, pas cher. Si vous avez un petit point comme ça, il faut couper comme ça. Hein. Vous êtes sûr. Voilà, le kit Felloni est posé, ça me donne encore plus envie de faire cette E36 comme je veux. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et ce que vous pensez de ma nouvelle charrette. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.